Bonjour les capoeiristas, je suis le maître João de Deus, da capoeira sul da Bahia, Quebec, Canadá, ok? Bon, aujourd'hui on va développer une esquive et un coup de pied, une attaque, ok? L'esquive s'appelle baixa lateral et le coup de pied s'appelle meia lua de frente, ok? Mas avant, on va se rappeler du pas de base da ginga, ok? Aperte, écarté, bien écarté, jambe droite. Par en arrière, bras droit en avant. Appel. Après ça, écarté avec le même bras. Changement de jambe, changement de bras. Bah. Après ça, appel directement. Sans arrêt. Oui. Ça, c'est gym. C'est très important, pas oublier de faire le réchauffement que je vous montrais dans l'autre vidéo. Ok? Tu fais tout le réchauffement. Après ça, tu viens faire cette partie-là. D'accord? Parce que là, tu vas être bien réchauffé pour faire les mouvements qu'on va faire maintenant. Ok? On va commencer par une esquive. Ok? A esquive à baixa lateral. Ok? Esquive à baixa lateral ressemble beaucoup au pas de base à ginga. Ok? C'est juste que j'ai besoin de poser ma main au sol, baisser plus bas que je suis capable. Regarde, la ginga. L'esquive. La main complète sol, le bras bien ferme devant. C'est juste que la tête est couchée. Vers le côté un peu ici. Et tu regardes par-dessus ton bras. Va se reposer ici dans la cuisse pour aider dans l'équilibre. Ok? C'est très important. Et en arrière, c'est comme le pied de la ginga qu'on fait d'habitude. D'accord? Bon. Baixa lateral. Tu ne peux pas descendre directement. C'est très demandant pour les jeunes. Tu vas aller la base plus bas possible. Vraiment la chaise. De là, tu vas chercher à aller à l'esquive. Là, tu vas être correct. Ça va faire moins d'efforts, mais ça travaille. Pareil. Ok? Regardant, je suis sur un ginga. Vers la gauche. Je vais venir parallèle. Pour aller à droite. Quand je vais aller à droite, c'est au moment de faire l'esquive. Ok? Pour venir debout, tu viens de la même façon de descendre. Moitié. Debout. Pour ouvrir ta jambe derrière. D'accord? Donc on va faire 4 fois. Vous voyez comment je ferai dans la rythmique du capoeira. N'oublie pas de respirer. On y va. Tu descends et tu restes 2 secondes. Tu comptes. 1, 2, tu se lèves. De l'autre côté. 1, 2, se lève. Encore 2. Ok. 1, 2, lève. Une dernière fois. 1, 2, lève et ginga. Ok. Entre 10 à 20 fois. Là, tu vas sentir vraiment que ça travaille. C'est très simple le mouvement, mais ça travaille beaucoup. Tu vas voir. Ok. Maintenant, on va partir pour le mouvement d'attaque, né? Un coup de pied. Meia lua de frente. Meia lua de frente, pour commencer, t'es comme ça, t'es équilibré sur une jambe. Juste un. En même temps, ce travail déjà ton équilibre. Tu fais des petits cercles comme ça. Tu vois? Voilà, tu fais un petit cercle, tu poses derrière, avec le bras qui vient devant. Tu poses ici ma jambe droite qui est partie derrière, c'est mon bras droit. Qui est monté devant. Ok? Chaque fois, tu montes un petit peu. L'idéal, c'est l'auteur de la hanche qui est capable, cette auteur-là. Tu vois? Avec ta souplesse, c'est ici que tu vas réchauffer pas mal, tu vas être capable de monter plus haut. Ça va donner plus à ça. Ok? Mais tu n'as pas besoin de te remonter. Tu vas avec ton limite, ta capacité. Ok? Mais la différence, c'est comme ça. Commence toujours en ginga, tu vas ma jambe gauche derrière, quand la gauche vient parallèle, je commence au milieu. Quand je vais monter ma jambe droite, je vais me protéger avec mon bras gauche. Et après ça, quand je dépose ma jambe droite derrière, c'est mon bras droit qui vient par l'avant. Ok? C'est important d'apprendre à déposer, pas laisser tomber. Ok? Je vais venir du même côté, là. Parallèle,
Ordaine, pose. L'autre côté, jambe droite derrière, jambe droite bien parallèle, les bras vont diminuer. La jambe gauche monte, bras droit protège. Et après ça, je termine avec mon bras gauche, ma jambe gauche para en arrière. Mon bras gauche para en avant. Ok? Là, on a un rythmique. Vous voyez comment se faire avec la jambe. Okay? Toujours, n'oublie pas d'utiliser la respiration. Voilà, inspire, vire, pause. Inspire, vire, pause. Ok? Deux autres. Une dernière fois. C'est bon? Gardez toujours le bras, ne laisse pas la fatigue, laisse baisser ton bras. Le bras est toujours dans le top du menton, pas la poitrine, menton. Ok? Agile. Bon, après, apprendre à l'esquive et apprendre à mettre la loi de frente, le coup de pied, tu peux faire des changements. Supposez, donner la loi de frente, finir directement en esquive. Direct, dans le contrôle. Les gens, c'est un bon exercice. Contrôle. C'est bon? Ou sinon, tu peux donner un coup du pied, poser derrière, déplacer une fois et faire l'esquive. Déplacer une fois et faire l'esquive. Ok? Donc je vais vous montrer les deux exercices, une fois de chaque, vous voyez la rythmique. Donc je fais ma jambe, là je fais mon coup du pied et on finit en esquive. Hop! Et l'autre puissant, c'est donner un coup du pied. Poser derrière, déplacer, faire l'esquive de l'autre côté. C'est bon les amis? On n'oublie pas de faire les abdos, ok? C'est important. Quelques pompes aussi, pour renforcer les bras, pour plus tard aussi apprendre des acrobaties, d'accord? Merci beaucoup et à la prochaine. Salut!